Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des bouchées de quiche au saumon et au poireau, mais sans pâte. Vous allez voir, c'est super simple. Tout le monde est capable de réaliser une quiche, donc avec ou sans pâte. Vous allez voir, je vous explique. On a un poireau, 2 œufs, 25 centilitres de crème liquide, de la maïzena, de la ciboulette, du saumon, ça peut être aussi de la truite, enfin moi c'est du saumon fumé, ça peut être de la truite fumée, il n'y a aucun souci. Et un saladier, non je rigole. Moi mes poireaux, alors vous allez dire mais Guy tu as des petits poireaux, c'est que c'est des poireaux du jardin et ils étaient pleins de verre, donc voilà. Déjà ils n'étaient pas bien gros de base, donc là oui. Sinon c'est un poireau, un plan de poireau tout simple, hein, mais voilà, moi j'en prends 3 parce que ça vaut l'équivalent de 1 poireau, normalement. Voilà. Donc pour commencer, on va couper notre poireau. On va en faire une fondue, tout simplement. Donc là, il n'y a pas besoin de le couper non plus trop finement. On y va, c'est parti. Attention aux doigts. Hein. Bon, moi, je vais vite, mais bon. J'ai d'expérience. Mon beurre est en train de chauffer tranquillement. Donc ce qui va être sympa, c'est qu'on va pas en faire un moule à tarte. On va en faire avec des moules individuels. Pour que ça soit plus sympa et vraiment que ça fasse la forme de bouchée. Hop là, voilà, nickel. Donc là, mon beurre va être fondu. On va mettre les poireaux dedans. Hop, comme ça, je vous montre en même temps. Et c'est parti. Voilà, le temps que mon poireau cuise, on va préparer l'appareil. Donc on va mettre notre crème liquide. Tu vas dire pourquoi Meg, pourquoi tu as 2 crèmes? Alors c'est que j'ai une brique de 20 centilitres. Et il me restait une brique d'entamé de semi-épaisse. C'est pas grave. Même si c'est de la semi-épaisse, c'est pas grave. Hein. Au contraire, ça sera plus onctueux et ça sera plus onctueux. Enfin, pour moi, ça change rien. Voilà, pour revenir. Désolée hein, du bruit. C'est pas moi qui pèse. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va dégager un peu. On va ajouter une cuillère à soupe de maïzena. Voilà. On a des dans la crème. Voilà. Ensuite, on va ajouter les œufs. Donc ce que je parlais de moule, c'était ça. Donc moi j'ai ces petits moules, sinon vous avez des mini moules à muffins, qui sont sympas aussi, mais moi j'ai que ça, moi j'ai pas de moules à muffins. Enfin j'ai les vrais moules à muffins, donc les gros, donc enfin ça reste quand même une bouchée, donc sinon on n'est plus dans le thème de la bouchée. Voilà, on va ciseler notre ciboulette. Et après on va couper notre poireau, le saumon en petits dés. Alors soit vous mélangez le poireau et le saumon dans l'appareil pour après verser tout dans les moules, ou alors on va mettre le poireau et le saumon au fond des moules pour après verser notre appareil. C'est comme vous voulez. Mais au moins vous êtes sûr que chaque moule a du saumon et a du poireau. Voilà. Du sel, du poivre, on va assaisonner tout ça. On préchauffe notre four à 180 degrés et on va les cuire pendant 20 minutes. Vous voyez, ça cuit, ça commence à cuire. Donc, du sel, du poivre, j'ai dit. Du sel, du poivre. Alors, où est mon sel, où est mon poivre? Alors, là, mon poivre est là. Hop. Et mon sel. Donc là, on va couper notre saumon. Alors, pas besoin de mouler, enfin de beurrer les moules parce que c'est du moule en silicone, hein, donc il n'y a aucun souci. Donc, je vous dis à tout de suite quand le poivre. Donc là, notre petite fondue est prête. Donc, on va mettre notre appareil. Là, on va couper notre saumon. On peut garder une tranche pour la déco. Ça peut être sympa. On met en fond du moule. Là, avec ces petites bouchées, on peut faire entre 4 à 6 personnes. Hein. Moi, je dirais plus 6 personnes. Voilà. Il y en a un peu de trop. Et là, pareil. Bien rempli généreusement. Et on va les mettre au four à 180 degrés. Voilà. Donc on va mettre nos petits quiches à 180 degrés pendant 20 minutes et je vous retrouve juste après. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, les petites bouchées de quiche. Voilà. Après, si vous avez des moules de différentes formes, plus profonds, vous pouvez les faire bien sûr plus profonds. Mais moi, je reste par principe que je vais faire une bouchée. Et puis, moi, je vais mettre de la déco dessus. Voilà, vous allez voir si c'est super bien. Et bien sûr, je publierai la photo sur ma page Facebook et Instagram, car je publie tout ce que je fais en vidéo et en cuisine sur mes pages en photo. Et bien sûr, si tu as besoin de quantité ou de n'importe quelle recette, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher juste à l'écran. Et ça sera avec grand plaisir que je te réponds. Et voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sous le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et bien sûr, on pense à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, fais avec ce que tu as dans ton